En ce 10 octobre 2017, nous sommes invités en tant que partenaires donc, à l'Afterwork organisé par HP, donc au Sofitel Ivoire, sur le programme anti-contrefaçon 2017. Nous sommes avec M. Eric Balende, qui est directeur régional de HP. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci donc de nous entretenir sur les raisons de cet événement et sur les différentes activités et opérations de HP en Afrique de l'Ouest. Oui, plus l'Afrique centrale, il faut rajouter. L'Afrique centrale aussi, effectivement. Parce que je couvre toute la région Afrique centrale et Afrique de l'Ouest francophone. Oui. Et je suis en charge principalement de la division des PC et des workstations et autres. D'accord. Et ça se passe bien au niveau donc du déploiement de vos solutions en termes de sécurité informatique et en termes donc de promotion des innovations technologiques? Bien sûr, ce qu'il faut savoir que nous, HP, aujourd'hui, nous sommes numéro un dans la région. À nous seuls, notre part de marché est aussi grande que celle de toute la concurrence réunie. Oui. Donc on est vraiment acteur principal, player sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. D'accord. Et au niveau stratégie, on est dans toutes les stratégies éducatives, on est un peu on aide beaucoup les partenaires. D'accord. Donc en tant que leader, des modules informatiques et de la technologie, on est leader. Vous assurez en tout cas une fiabilité de vos produits. Toujours. C'est le cas de le dire. Alors parlez-nous en quelques mots du programme anti-contrefaçon 2017. Alors le programme anti-contrefaçon 2017, c'est un programme qu'on essaie de partager dans tous les pays pour oui. essayer de les informer sur les contrefaçons. Oui. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de clients qui achètent des produits peu fiables. Oui. Non, pas peu fiables. Ils achètent des produits sans savoir si c'est des produits certifiés oui. ou non certifiés. D'accord. Donc aujourd'hui, on lance ce type de programme oui. pour informer les clients, oui. pour leur apprendre à reconnaître des cartouches originales oui. et aussi pour leur donner des outils pour s'armer contre la contrefaçon. Parce qu'il faut savoir que la contrefaçon, c'est néfaste. Nous aujourd'hui, faut savoir que nos encres sont certifiées. Oui. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui va faire de la contrefaçon sur de l'encre qui n'est pas certifiée, il court des risques de bousiller son impression, ses tambours, et avoir certaines pièces comptables qui ne vont pas durer l'effet. Tout à fait. Aussi longtemps que la loi exige la durée des pièces. D'accord, donc en fait, c'est... De parenthèse, mais bon, oui. c'est très bien de la contrefaçon, vous savez. Hein, c'est un fléau, c'est malheureusement, on va dire, qui fait perdre beaucoup à nos économies. Voilà. Et nous devons vraiment, sans relâche, lutter contre ce fléau. Tout à fait. Donc voilà, donc ce programme que nous déployons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, oui. Nous allons le déployer partout en Afrique pour apporter l'information à tous nos clients, à oui. tous les usagers, oui. et surtout qu'ils se rendent compte que nous, HP, on fait des actions. Tout à fait. Contre la contrefaçon et puis que pour protéger leur intérêt et leur business. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Écoutez, nous sommes en tout cas assurés que vous allez parvenir donc à réaliser cet objectif là. Et on continue toujours de faire confiance à Hewlett Packard to keep reinventing innovation, technology and security. Yeah, exactly. Merci beaucoup, Monsieur Balende. Ce fut un plaisir. C'était Charles-Auguste Bagny pour Business Marketer Expert, interviewant M. Eric Balende, directeur régional Afrique de l'Ouest et Afrique de l'Est. Centrale. Et Afrique centrale, pardon. Merci, voilà. Afrique centrale, on y est arrivé pour HP. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Au revoir, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci.